Quand on achète de l'or, on pense d'abord à la question de la conservation de la valeur. C'est la motivation fondamentale. Dans la vidéo d'il y a une quinzaine de jours, je pointais l'importance d'une autre question qui est celle de la disponibilité de l'or que l'on a acquis. En effet, à quoi sert d'avoir une sécurisation par l'or ou ce qu'on croit être une sécurisation si cet or n'est pas disponible facilement et rapidement quand on en a besoin? Bonjour, c'est Pierre Maumont. Dans cette vidéo, je partage avec vous trois solutions qui nous permettent de résoudre le problème essentiel de la disponibilité de l'or. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord soyez les bienvenus parmi nous, et afin de ne manquer aucune des vidéos que je serai amené à produire sur le thème de l'or et de la sécurisation par l'or, et sur d'autres domaines de sécurisation du patrimoine, et de manière plus générale sur les sujets de l'économie, de la finance et du patrimoine, et bien c'est simple, vous avez l'icône vert et bleu en bas à droite de la vidéo, vous passez le pointeur dessus pour faire apparaître la cloche, et vous vous abonnez. Alors pourquoi je parle de trois solutions? Bien c'est parce que les solutions qui sont à notre disposition pour rendre notre or disponible dépendent de notre situation actuelle en matière de détention d'or. Donc la problématique est celle de personnes qui, à l'heure actuelle, ont investi dans l'or, mais qui l'ont fait dans des conditions qui ne rendent pas cet or aisément disponible en cas de nécessité. Donc c'est le sujet dont j'ai traité dans la vidéo précédente qui s'appelait « Votre or ne vous servira à rien », titre un peu provocateur, qui malheureusement, pour une très forte proportion de personnes qui ont investi dans l'or pour se sécuriser, est parfaitement vrai. Alors, la première solution, quand on est dans ce cas-là, eh bien, ça va être tout simplement de vendre l'or que l'on détient dans des conditions imparfaites, c'est-à-dire dans des conditions qui le rendent difficilement disponible, en tout cas disponible dans des délais qui sont insuffisants et avec des complications ou une lourdeur au niveau de ce qu'il convient de faire. Alors on va me dire, oui, mais si on veut vendre cet or aujourd'hui, on va s'exposer aux mêmes complications, à la même lourdeur que celle que l'on rencontrerait dans quelques temps s'il advenait qu'à ce moment-là, on a besoin de vendre notre or. Tout à fait. Sauf que si on fait ça aujourd'hui, le fait que ça soit un peu compliqué, plus ou moins compliqué et relativement lourd n'est pas un problème puisqu'on n'est pas pris par des conditions de pression de notre environnement. Donc en clair, il vaut mieux faire à froid ce qui est nécessaire que de devoir le faire à chaud avec le stress et des conditions d'environnement qui seront certainement plus difficiles. Alors, vendre notre or aujourd'hui peu disponible pour qu'il devienne disponible, eh bien, ça veut dire tout simplement qu'avec le produit de la vente, on va réinvestir, ben, mettons, les mêmes montants qu'on a aujourd'hui placés en or, mais dans le cadre d'un contexte, d'une organisation qui permet une liquidité très rapide et très. Je sais qu'une forte proportion de ceux qui regardent cette vidéo vont dire de quoi s'agit-il, comment ça? Il est possible d'avoir de l'or qui soit aisément, qui soit tout de suite disponible, et cela simplement. Alors qu'est-ce que c'est que ces organisations? Ben, ces organisations, ce sont des systèmes intégrés qui vous permettent d'acheter de l'or simplement, de le revendre simplement, et avec des délais entre l'achat et la vente qui sont extrêmement courts, qui sont au pire de quelques heures. Quel est le principe donc de ce système? Eh bien, l'idée fondamentale est qu'il n'y a pas de manipulation d'or. C'est-à-dire que l'or que vous achetez, c'est bien votre or, mais vous n'en prenez pas livraison. Il reste dans les coffres de sociétés de gardiennage de valeur, qui, dans le cas de certaines de ces organisations, sont d'ailleurs les coffres du circuit professionnel. Et ce qui caractérise donc l'or dont vous êtes propriétaire, c'est que lorsque vous l'achetez, il est dans un coffre quelque part dans un pays où la détention d'or est quelque chose de compétitif. Bon, c'est la Suisse, c'est Hong Kong, c'est les États-Unis, c'est d'autres pays.
Et donc, lorsque vous achetez cet or, ben, vous avez effectivement un titre de propriété, donc vous êtes propriétaire d'un or qui est tout à fait, identifié. Et lorsque vous avez besoin de revendre cet or, c'est-à-dire lorsque vous avez besoin du pouvoir d'achat qui est contenu dans cet or, eh bien, la revente ne va pas passer par la sortie de l'or qui est dans les coffres, mais elle va se faire tout simplement sous la forme d'un changement d'enregistrement du propriétaire. Donc aujourd'hui, François Dupont a acheté pour l'équivalent de, mettons, 15 000 euros d'or dans telle ou telle des sociétés qui pratiquent ce type de service. L'or est dans un coffre qu'il peut avoir choisi, par exemple un coffre à Genève. Et puis, dans 6 mois, tout va très mal. François Dupont a besoin impérativement, non pas de son or, parce que qu'est-ce qu'on fait avec de l'or dans la réalité, on ne fait rien avec de l'or. Par contre, François Dupont a besoin d'une somme d'argent significative pour laquelle il n'a plus d'autre solution, ou en tout cas la solution la moins défavorable par rapport à la globalité de son patrimoine. Cette solution va être de rendre liquide une partie de la valeur de son or. Et à ce moment-là, François Dupont va passer un ordre pour vendre à hauteur de 15 000 euros de 15 000 euros, on va dire que 15 000 euros, il peut effectivement vendre 15 000 euros, c'est-à-dire la totalité de son stock, mais s'il a besoin non pas de 15 000 euros, mais mettons de 6 000 euros, il peut vendre à hauteur de 6 000 euros sur l'or qu'il détient. Il va donner un ordre en ce sens, et au pire, quelques heures après, c'est fait, et ensuite c'est le temps pour disposer cet argent sur le compte en banque qu'il a attaché à ce système de possession de l'or. Il faut juste le temps que le virement soit fait de la société où il a ouvert, entre guillemets, son compte or sur le compte en banque, son compte en banque ou un de ses comptes en banque qu'il a lié à cette société quand il a investi dans l'or. Alors, question, objection possible que l'on peut se faire quand on découvre l'existence de cette solution, c'est oui, mais est-ce que ça coûte cher? Autrement dit, est-ce que l'or dont je suis propriétaire et qui sera détenu dans ce type de système, pour faire fonctionner le système, pour garder mon or, est-ce qu'on va me prendre cher? Donc est-ce que ça va me coûter plus cher que si, par exemple, actuellement, je détiens mon or dans un coffre en banque ou dans un coffre du système bancaire, dans le cas d'un système différent de celui-ci? La réponse est non, c'est que même ça coûte sensiblement moins cher. C'est facile à comprendre, puisque vous avez compris que le principe de ce système, c'est qu'il n'y a pas de manipulation d'or. S'il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de raison qu'il y ait des frais importants attachés au service de gardiennage de l'or, parce que qui dit gardiennage dans les conditions les plus connues, ça veut dire quand même un certain nombre de manipulations, hein, pour amener l'or que vous avez acheté dans les coffres de la société, ensuite pour les sortir quand vous voulez vendre. Donc là, on échappe à tout ça. Voyons maintenant la deuxième solution. Alors la deuxième solution, elle va se servir du même type d'organisation, c'est-à-dire que la deuxième solution, ça va aussi consister finalement à ce que l'or qui aujourd'hui est détenu de manière, on va dire, illiquide par les systèmes classiques, ou même s'il est conservé à la maison, pour le rendre liquide, confère la vidéo que j'avais faite il y a une quinzaine, ça passe quand même par un certain nombre de manipulations, de négociations avec des marchands d'or. Il faut préciser qu'un avantage supplémentaire de la solution, la première solution que je viens de présenter, c'est qu'il n'y a rien à négocier avec qui que ce soit, puisque l'or qu'on a acheté, à aucun moment, a été physiquement en notre possession, donc personne ne peut prétendre que l'état de l'or au moment où on va vouloir le vendre est différent de ce qu'il était quand on l'a acheté. Par conséquent, on a là aussi, c'est un élément de la facilité d'ailleurs de la transaction, et c'est aussi un élément de la sécurité du prix. En général, dans ce type d'organisation, le prix de l'or, c'est le prix spot. Donc l'autre solution possible, ça va être, ça c'est au choix de chacun, ça va être non pas de vendre l'or que l'on détient dans des conditions illiquides qui sont celles de conditions de départ, pour ensuite se porter sur
sur un de ces systèmes performants. Donc ça va être tout simplement de faire transporter cet or dans les coffres d'un de ces systèmes performants. Donc là, ben là, on aura un coût qui est le coût du transport. Par contre, on n'aura pas le coût de la revente, même si dans le système performant que je viens de vous présenter, le coût de la revente, comme celui de l'achat, est très faible. Mais bon, après, ça dépend des quantités d'or qui sont en jeu. Il peut s'avérer plus intéressant de procéder comme ça, ou tout simplement, la mise en œuvre de la deuxième solution peut permettre de faire détenir notre or finalement dans une société différente que celle qui pratique la première solution. Là aussi, c'est une question de choix. Inutile de dire que dans les deux cas, les sociétés sont des sociétés qui sont contrôlées, qui sont de tout premier plan, à la fois du point de vue de la réputation et du point de vue des moyens mis en jeu. Enfin, on est là dans, on est soit dans les circuits professionnels, soit dans des circuits qui recoupent à un moment donné le circuit professionnel. Donc ça fait deux solutions. Je vous ai parlé de trois solutions. La troisième est un petit peu plus loin du principe de détention physique de l'or, puisqu'il s'agit de recourir à ce qu'on appelle l'or papier. Alors ne poussez pas de cri, je sais que l'or papier, parce qu'on en dit beaucoup de mal, notamment sur Internet, l'or papier est tout de suite considéré par ceux qui en ont entendu parler comme une sorte d'arnaque, puisqu'en général, quand on entend parler de l'or papier, c'est pour nous expliquer les dangers de l'or papier. Alors c'est vrai que l'or papier a des dangers. Maintenant, il faut préciser qu'il existe plusieurs types de produits dans l'or papier et que les dangers dont on vous parle avec gourmandise sur Internet, souvent d'ailleurs ceux qui mettent en avant ces dangers sont des entités qui elles-mêmes vendent de l'or physique, et donc on comprend qu'elles cherchent à saper, à casser un peu la concurrence qui est celle de l'or papier. L'or papier qui est dangereux, c'est la forme d'or papier qui est simplement celle de contrat. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous n'êtes pas directement ou indirectement, vous n'êtes pas indirectement propriétaire d'or, mais vous avez un contrat avec une entité avec qui, ça dépend des types de contrats, je n'entre pas dans ce détail-là, mais qui s'engage à valoriser ce contrat d'une manière qui suit la valeur de l'or. Donc, si vous achetez votre contrat, n'importe quoi, quand l'or est à l'indice 100, l'or passe à l'indice 130, vous décidez de vendre le contrat, eh bien, votre contrat aura pris 30%. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Et en plus, là, c'est d'une souplesse parfaite, puisque ce sont des produits qui passent en bourse. Donc, vous pouvez acheter et vendre 100 fois par jour, si vous voulez, avec des coûts qui sont évidemment nuls. Le simple coût, c'est le coût de gestion du contrat, qui, par nature, est faible. Donc, c'est très sympa, sauf que la limite de ce genre de détention d'or, c'est que en situation extrême, que personnellement, je n'ai jamais vue, et qui est toujours celle qui est proposée pour faire peur par rapport à ces contrats, et qui d'ailleurs est justifié, il est justifié de présenter cette hypothèse, c'est celle où tout s'effondre, où il y a un très large effondrement économique, financier, monétaire, et où finalement les individus, il ne leur suffira plus, ne seront plus rassurés à l'idée de posséder quelque part de l'or, mais voudront avoir cet or avec eux. Autrement dit, ils demanderont aux entités qui gèrent les contrats de l'or. Et à ce moment-là, comme ces contrats sont vendus très largement, en quantité très largement supérieure aux quantités d'or qui en sont la contrepartie, eh bien, évidemment, il y a une impossibilité technique à livrer tout le monde et le prix des contrats s'effondrerait. Donc ça, c'est le côté obscur de l'or papier. Mais il y a aussi une forme d'or papier qui, elle, est vraiment garantie par de l'or. Et à ce moment-là, on a un produit qui est une excellente solution pour détenir, acheter et revendre de l'or, puisque cela, c'est un produit qui est un produit boursier, donc ça passe par la bourse. Autrement dit, c'est la manière la plus simple de faire des transactions. Et également, en l'occurrence, sur ce produit, les frais sont extrêmement faibles. Donc cette solution mérite d'être étudiée. Alors, parmi
le premier principe, donc, qui est celui d'une organisation qui permet de détenir de l'or physique et qui gère de A à Z, on me dit achat, stockage, revente, sans qu'on intervienne, et ce qui est donc générateur d'une très grande facilité et d'une très grande rapidité, ou celle que je viens de vous présenter, que faut-il choisir? Ben, j'aurai les deux mon général en vertu du principe de diversification des risques, puisque quelle que soit la haute sûreté ou la très haute sûreté de ces systèmes-là, vous savez, dans l'aviation par exemple, les circuits électriques sont doublés, triplés, quadruplés, parce que c'est essentiel pour la sécurité de l'avion et des passagers. Ben là, c'est pareil, même si on est sur des systèmes qui sont extrêmement sûrs, éprouvés, sécurisés de tous les moyens possibles, c'est encore plus sûr si on a un pied dans l'un et un pied dans l'autre. Donc ça, ce sont les principes. Et évidemment, la compréhension des principes, c'est le premier pas qui mène ensuite à la réalisation des solutions et au règlement des problèmes. La nouvelle version de ma formation sur l'or présente le détail pratique et le fonctionnement pratique de ces solutions. Pour accéder à la présentation de la formation, ça passe par la description qui est sous la vidéo. Pour ça, il faut cliquer sur le plus PLES majuscule qui est 5 ou 6 cm sous la vidéo, et le menu déroulant apparaît avec en premier ou en deuxième lien celui qui mène vers la présentation de cette nouvelle formation sur l'or. Alors évidemment, c'est un contenu payant parce que c'est une formation, mais même si vous ne l'achetez pas, je vous conseille vivement d'en regarder le plan et la composition des modules, parce que cela vous permet de comprendre de A à Z comment on construit une démarche cohérente pour investir dans l'or et quels sont les types de problématiques auxquelles il faut faire attention et les problèmes que l'on va rencontrer et auxquels il faut se préparer à l'avance. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'or. Donc la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, eh bien surtout n'oubliez pas de lever le pouce bleu. Je sais que tout le monde dit ça, mais c'est essentiel et c'est vrai sur YouTube. Bien sûr, commentez. Je sais que ce sujet est un sujet un peu sensible, puisque manifestement la question de l'or est relativement passionnelle, et qu'il y a encore beaucoup de personnes, y compris par ceux qui pratiquent la détention de l'or, qui sont persuadés qu'il faut garder l'or près de chez soi. Ben, je les invite à réfléchir honnêtement à ce que je dis et donc à me faire part de leur point de vue sur ce sujet. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.